vient de lancer le TAN 66, qui est un bateau de 66 pieds, tout en carbone, qui a été dessiné par VPLP, la fameuse équipe de VPLP française, avec laquelle on a beaucoup travaillé, avec Marc Pantetegel. Le bateau, si on veut résumer, c'est un bateau haute performance, facile. Haute performance, c'est tout en carbone, donc léger, donc rapide, très rapide. On va pouvoir dépasser la vitesse du vent au moins jusqu'à 25 nœuds, hein, devant, de 0 à 25 nœuds, il ira plus vite que le vent. Mais facile parce qu'il a toutes sortes de caractéristiques techniques qui vont faire qu'il va être très facile à mener. Parce que c'est un bateau de croisière, c'est pas un bateau de course. C'est un bateau qui va être construit en France. C'est un bateau qui va être construit en France. On a fait un partenariat avec le chantier Marsaudon, qui est basé à Lorient, qui est très connu pour l'utilisation et pour son expertise de la fibre de carbone. Ils ont un four de 27 mètres dans lequel on pourra mettre le bateau pour qu'il prenne toutes ces caractéristiques techniques au maximum. La particularité du marché ici, c'est que je pense que les gens aiment toujours vraiment les bateaux, il n'y a pas de compromis, si vous voulez. Quand ils aiment quelque chose, quand ils veulent acheter un bateau à catamaran, ils vont prendre le bateau toute option, ils vont l'équiper au maximum pour pouvoir profiter du bateau aussi bien l'été quand il fait très chaud. On doit mettre par exemple des airs conditionnés surdimensionnés pour que le bateau reste confortable toute l'année. Ils vont utiliser des caractéristiques au niveau de l'équipement électronique, au niveau de la télévision, au niveau de... Ils vont vraiment l'équiper au maximum. Et en général, ils aiment aussi les belles choses, hein, donc les bateaux quand même assez grands. Je pense qu'ici on démarre, on va dire à 50 pieds, hein, c'est la bonne taille pour le golf, surtout pour les voiliers.